Bon, ben me voilà perdu sur une route de campagne, à l'extérieur de la ville, pour trouver un cimetière où placer mes caméras de chasse. Je vous assure que j'ai eu un mal de chien à trouver un cimetière un peu isolé de la ville. Mais celui-là, il est isolé, mais il y a quand même une espèce de baraquement avec un camion devant. Je pense que c'est un dépôt devant le cimetière. Mais je pense pas qu'il y ait des gens qui y habitent, j'ai pas vu de lumière. On va essayer de longer le cimetière pour essayer d'entrer dans le cimetière par le fond, par le côté forêt. Ok, là il y a l'entrée du... Putain, mais c'est quoi? Il y a quelqu'un devant le camion? Ah non, c'est le reflet de la... Il y a une espèce de reflet, mais je crois que c'est le reflet des lampes, je crois, des lampadaires. Donc là, vous avez l'entrée du cimetière. Et là, vous avez un chemin qui longe complètement le cimetière. Ça longe complètement. Et on va essayer d'entrer par la forêt là-bas. Je peux vous dire que ça pèle. Il fait près de 0 degré là. Et je suis en train de marcher dans la neige. Ça doit faire au moins 25 ans que j'ai pas vu autant de neige près de Bordeaux. Ok, on a un mur. Il est pas trop haut. Mais là j'ai la caméra, je sais pas comment je vais me démerder, putain. Il fait froid, très froid. Mes membres sont engourdis et je ne vois pas de solution pour escalader le mur sans abîmer mon matériel. Je décide d'installer mes caméras sur le mur d'enceinte et en contrebas, sur le chemin d'où je suis venu. Mais un problème se pose. Mes caméras sont trop visibles depuis le chemin et depuis l'intérieur du cimetière. Mais tant pis, je n'ai pas le choix. Je reviendrai demain tôt pour récupérer mes caméras et ainsi éviter qu'on me les vole. Avouez que ce serait ballot. Bon, ben ça y est, j'ai posé les deux caméras de chasse, donc j'en ai déposé une à l'intérieur. À l'intérieur du cimetière, juste derrière le mur. Je peux pas escalader le mur là avec la caméra. J'ai pas mon sac, j'ai pas mon matériel avec moi, donc je l'ai accroché de l'autre côté du mur, côté cimetière. J'espère qu'elle sera pas trop visible pour les gens qui vont venir demain matin. Et puis l'autre caméra, je l'ai placée sur ce chemin là, juste à côté du cimetière, sur ce chemin un peu dégagé, presque abandonné. Voir s'il n'y a pas des choses qui se passent de ce côté-là, hein, parce qu'a priori, pourquoi ne pas imaginer que les fantômes se promènent aussi à l'extérieur des cimetières. Allez. Putain, ça pèle. Ça pèle, je sens plus mes doigts. Bon, eh ben bonjour, ça a été très rapide pour vous, mais alors pour moi c'était une nuit entière et une nuit un petit peu d'angoisse. Je vous le cache pas, parce que j'avais vraiment peur que qu'on pique mes caméras. Le problème de la caméra de chasse, c'est ça en fait, hein, c'est vous la posez quelque part et si un passant la remarque, 9 fois sur 10 il la vole. Donc j'étais un peu inquiet, comme ce sont deux caméras quand même que Ingrid m'a offert. Donc voilà, donc j'appréhende un petit peu. Mais là, a priori, vu que je ne les ai laissés qu'une seule nuit, a priori, là, j'arrive, il est tôt, hein, il est à peine 8h du matin. Donc je pense pas qu'il y ait des gens qui soient venus avant cette heure-là. Bon, déjà, la caméra qui était au sol, elle y est toujours. Et l'autre en haut, elle y est aussi. Cool. Une autre caméra. Ah.
de l'eau bien froide à moins 72 degrés. C'est bizarre. On dirait qu'elle est éteinte celle-là. Les piles sont neuves. Lorsqu'on se trouve devant le cimetière, on voit bien une petite maison à droite et un camion de la mairie. Peut-être bien qu'un gardien fait des rondes la nuit afin de chasser les rôdeurs. Ou les amateurs de paranormal, qui sait. Bon, en attendant, moi, j'ai un cours à donner. Alors, c'est parti. Ok, donc là, avant d'aller dérocher et de regarder ce qui s'est passé cette nuit dans le cimetière, j'avais un cours, hein, parce que je bosse aussi en journée. Donc là, je suis sur un coaching avec 4 personnes. L'idée c'est que tu jettes visage, point plus point direct, point accroché. C'est vraiment bam. Merci. Merci. Tu me filmes là? Ouais. T'es sérieux? Ouais. Oh non. Dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Donc ça c'est les duvets grand froid qu'on utilise. Quand on regarde la télé, voilà, c'est des duvets qui résistent à moins 25 degrés. Et du coup, Ingrid, quand elle rentre du boulot, elle prend sa douche, elle se met dedans en mode momie. Je m'emmitouffe comme une petite vieille. Voilà, et puis elle regarde la télé pendant que je vais travailler. Voilà. Voilà. On va à la douche. Allez. Miaou. Miaou, miaou. Castiel. On vient avec ta mère, ton père. Bon, je retourne dans mon studio. Je me suis pelé quand je suis allé poser les caméras. J'avais pourtant des mitaines. Mais les mitaines, ça tient un petit peu chaud au niveau de la main, mais pas au niveau du bout des doigts. Mais il faisait tellement froid. Il devait faire autour des 0 degrés, je pense. Hein, que le bout de mes doigts était tellement gelé que je sentais même pas mes doigts sur la caméra. Ce qui fait que quand je voulais enclencher lecture, mais j'avais l'impression d'avoir un moignon. Et j'arrivais pas du tout à avoir la sensation du doigt, ce qui fait qu'il y a des moments où je devais prendre la caméra avec mes deux avant-bras, comme ça, souffler sur mes doigts, c'était un enfer. Ok, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette nuit-là? Il s'est passé des choses. Maintenant, on va voir si c'était paranormal ou pas. Ça sera à vous de vous faire votre opinion, et à vous donner la mienne aussi. Alors, premier phénomène, c'est pas un phénomène, c'est une observation. Première observation à 1h28 du matin. Alors ça, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. C'est étrange. Enfin, c'est étrange. C'est chelou. Enfin, c'est chelou. Regardez, je vois une lampe torche, moi. Donc là, regardez bien. Ça va apparaître, en fait, en bas à droite de l'écran. Vous allez commencer à voir une lampe torche qui balaye de loin. Et c'est assez bizarre parce que le cimetière est quand même un cimetière de village. Il est assez éloigné du centre-ville. Donc c'est vraiment de la forêt autour. Et le village est petit, quoi. Donc s'il y a un gardien, ok, je veux bien, mais c'est quand même assez rare. Moi, je ne connais pas de village qui embauche un gardien la nuit, quoi. Ça coûte de la thune à la commune, quoi. Les villages n'ont pas d'argent. Pourquoi embaucher un gardien de nuit qui va faire des rondes dans le cimetière? Dans les grandes villes encore, oui, à Bordeaux il y en a, à Paris il y en a, mais dans les petits villages c'est quand même assez rare. Ou alors c'est un rôdeur. Mais en général, les rôdeurs ils n'utilisent pas des lampes torches, parce qu'on peut les repérer de loin. Alors voilà. Il y a quelqu'un avec une lampe torche, c'est sûr, mais qu'est-ce qu'il foutait là? Ça je sais pas. Alors, deuxième phénomène. Alors, je le mets dans la catégorie phénomène parce que c'est le truc totalement improbable. Regardez. Non mais je sais pas si vous imaginez, le mec, il allume sa tronçonneuse, il est 2h13 du matin. Qu'est-ce qu'il fout avec sa tronçonneuse à 2h13 du matin?
En plus, dans le coin, alors j'ai pas vu s'il y avait des maisons autour, mais j'imagine qu'autour des bois, là-bas, il doit y avoir des maisons un peu engoncées dans la forêt. Et peut-être que le mec, à 2h du mat, s'est dit, tiens, je vais me lever et aller couper du bois, tiens. Ou alors, je vais aller couper l'arbre du voisin, ce gros connard qui me fait chier depuis 6 mois. Enfin, ça peut être ça aussi, les problèmes de voisinage, et l'autre, pendant la nuit, il va... Enfin, n'empêche que j'imagine que tout le monde l'a entendu, là, hein, parce que, voilà, si ton voisin allume sa tronçonneuse à 2h du mat, à mon avis, tu vas l'entendre. Donc là, incompréhensible. Il y aurait une autre solution, une autre possibilité, ce serait le type qui veut démembrer un cadavre. Oui, c'est tout à fait possible, hein, ça s'est vu, ça arrive très régulièrement. Mais quand même, je vous laisse juger. Ensuite, c'est un bruit que j'entends, enfin qu'on entend sur la caméra même. Et c'est un bruit très particulier parce que c'est le bruit que la caméra de chasse fait quand on la manipule avec les doigts. Vous savez, cette préhension qu'on a sur le plastique. Et le, pardon, petit rototo. Le plastique, il se tord pas, mais il se vrille un petit peu. Vous savez, il se tord et ça fait un bruit de craquement. Et moi, c'est ça que j'entends. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, on dirait que c'est quelqu'un qui manipule la caméra. Mais la caméra ne bouge pas, je vérifie. Non, la caméra ne bouge pas. Donc, a priori, c'est pas quelqu'un qui la tient, sinon on l'aurait vu. C'est peut-être un animal qui est passé à proximité du micro, qui a fait un petit cri, ou alors peut-être, je sais pas, les éléments, le vent qui a fait quelque chose. Je sais pas, peut-être une feuille d'arbre. Une feuille d'arbre, possible, qui a tapé le micro. Étant donné que la feuille, elle peut pas faire bouger la caméra, elle est trop légère. Mais enfin, c'est bizarre, on sent vraiment quelque chose qui touche, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le vois, peut-être ouais, une feuille d'arbre ou un insecte. Alors, ensuite, on a un cri. Alors, ça pourrait être un cri, ça ressemble vraiment à un cri humain. Peut-être la victime du tronçonneur, allez savoir. Au fur et à mesure, à force d'enregistrer des sons comme ça dans les bois, et après, certains d'entre vous m'envoient des messages dans les commentaires et me disent « Non, ça, c'est le cri d'un machin, de tel animal, parce que je connais bien, etc. Et » Et je commence à un tout petit peu maintenant arriver à reconnaître les cris, et ça ressemblerait peut-être à un blaireau enragé, un peu bourré sorti de boîte, là, vous voyez, ou alors un renard, un animal. Ensuite, élément suivant, encore un son d'animal. Décidément, on capte que des animaux. En même temps, c'est normal, hein, parce que quand on pose une caméra la nuit dans les bois, même dans un cimetière, ben, on va plus avoir des phénomènes naturels animaliers ou de la faune environnante que des phénomènes paranormaux. Mais ça fait partie de l'observation, ça fait partie de la recherche, ça fait partie de l'enquête. Donc voilà, on est là pour découvrir ce qu'on voit ou ce qu'on entend. Donc là, on entend une espèce de grognement, de reniflement. Au début, j'ai cru que c'était un sanglier, quoi. Mais là, par expérience, je me suis retrouvé nez à nez avec plusieurs sangliers ces derniers mois, dans certaines vidéos. Pas suffisamment près pour que je les voie, mais suffisamment proche pour que je les entende très clairement. Et ça ressemblerait peut-être à un reniflement de sanglier, mais je le trouve un peu trop aigu, trop petit. Un sanglier, ça a vraiment une grosse corpulence, même les petits, et je pense qu'ils ont une voix plus grave, enfin un son plus grave. Je penserais à un animal plus petit, mais quoi, je sais pas. Je saurais pas dire. Si vous avez la réponse, ben allez-y. Bon ben voilà, c'était les phénomènes de la nuit dans ce cimetière. Il n'y a pas eu de phénomène paranormaux, et ben ouais, des fois ça se passe comme ça, des fois il n'y a rien. Peut-être qu'il aurait fallu, bien sûr, il y en a certains d'entre vous qui vont certainement me le dire dans les commentaires, qu'il faudrait laisser la caméra plus longtemps, tout à fait. Mais là j'étais un peu à l'arrache, hein. J'étais vraiment 3 jours avant la sortie de la vidéo, j'avais pris un peu de retard, je ne pouvais pas la laisser 2 jours, après j'aurais pas eu le temps de la monter, donc j'ai tenté ma chance sur une nuit entière. Et c'est bien, il s'est passé des choses, j'aurais eu des boules. Des fois ça arrive que je fais une vidéo comme ça, je place une caméra, ça m'est arrivé plein de fois,
et même deux jours. Et quand je regarde la quantité de fichiers enregistrés sur la caméra de chasse, je vois zéro. Si, mis à part l'enclenchement quand je pose la caméra et que la caméra me capte. Mais après, zéro déclenchement 48 heures. Ça, ça fout les boules parce que voilà, on s'est pris la tête à aller installer une caméra, chercher un lieu, etc. Et là, la caméra s'est enclenchée zéro fois. Là, quand j'ai récupéré la caméra, j'ai vu qu'il y avait des fichiers vidéo, il y avait une bonne quinzaine. Mais la plupart, c'était le vent qui avait enclenché le truc. En tout cas, il n'y avait absolument rien à voir ni rien à entendre. Donc je ne les ai pas sélectionnés. Je vous ai vraiment sélectionné les images où on voyait, où on entendait des choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Cette vidéo caméra dans un cimetière. La prochaine fois, je vais la laisser plus longtemps. Je vais vraiment m'y prendre à l'avance et peut-être la laisser 3-4 jours en trouvant un endroit bien caché. Et je pense que ce sera beaucoup plus représentatif quand même de ce qui peut se passer dans un cimetière. Ah oui, il faut que je vous dise, je me suis acheté encore du matos, regardez. J'ai acheté deux caméras de surveillance. Enfin, c'est des caméras infrarouges, hein, mais c'est caméras de surveillance. Deux caméras. Voilà, des toutes petites caméras. C'est super pratique. Ça peut se... vous voyez, ça peut se clipper là. Clipper sur la ceinture, si vous voulez que avoir une vision de ce qui se passe devant. En infrarouge ou en mode normal. Et bon, je vais les tester. Je vais les tester aujourd'hui, puisqu'on est samedi aujourd'hui. Enfin, vous voyez la vidéo, on est samedi. Et donc, ce soir, nous sommes avec. On vous fera un petit retour Instagram ou Facebook avec Indiana Fraise. Hein, c'est ce soir qu'on fait notre exploration. Et ça sera l'occasion de tester ce nouveau matériel. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis bon week-end. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.